Alors, on va au niveau de l'outillage. Donc, alors, on commence par la ponceuse multifonction, donc Parkside, qui est à 19,99€. Là, on a l'aspirateur sans fil, type Dyson. C'est vraiment la copie du Dyson, même dans les couleurs. Et il est à 79,99€. Là, et ça, c'est quoi? Ah, il y a des chaussures de sécurité, chaussures montantes. Elles sont à 19,99€. Là, on a une visseuse multi-embout sans fil. Donc, c'est la marque Parkside. Alors, là, on a une boîte à compartiment. À 11,99€. Là, on a une baladeuse, mais je crois que c'est pas sa place. Alors, ça, c'est quoi? Un rabot électrique. Un rabot électrique, et donc c'est 29,89€. Ensuite, en fait, là, il y a une défonceuse, mais je vois pas le prix. Il me semble que dans ma précédente vidéo, j'avais filmé avec le prix, donc j'essaierai de revoir. Défonceuse. Bon, en fait, la défonceuse, le prix, c'est 39,99€. Donc, le prix de la défonceuse. Ensuite, il y a la meule d'angle, donc sans fil, à 39,99€. Après, il y a des pinces ou tenailles de ce type-là, pince à bec long, à 2,99€. Il y a les fourrés, différentes variétés, donc à 9,99€. C'est quoi? Coussin de montage. Coussin de montage gonflable à 7,99€. Ensuite, set de pinces à rivets et accessoires. Set de pinces à rivets et accessoires, c'est 4,99€. Alors là, on a un compresseur portatif à 34,99€. Et on a l'aide au démarrage mobile pour voiture, donc c'est un power avec power bank, avec, ça veut dire batterie, donc batterie pour téléphone, donc c'est un booster, je pense, un booster pour batterie, et c'est 54,99€. Ensuite, alors là, on a les sets de filetage et taraudage qui sont à 12,99€. On a aussi la scie plongeante. J'essaie de vous la mettre. Hop, la scie plongeante. La scie plongeante qui est à 54,99€. 54,99€ la scie plongeante. Ensuite, on a le poste à souder, qui est où d'ailleurs? Ah, il doit être en dessous. Ben là, on a que 7 de forêt et burin. Donc, voilà. 7 de forêt et burin à 9,99€. On a la baladeuse rechargeable à 16,99€.
on a un support pour perceuse, support de perçage à 21,99€. Ensuite là on a plein d'accessoires pour la perceuse, donc set de polissage, set de brosse métallique qui sont à 3,49€. Alors on continue toujours dans les outils, donc la perceuse visseuse sans fil Parkside qui est à 39,99€. Ensuite le touré à meuler sec et humide, donc qui est à 36,89€. Touré à meuler, ça c'est les caractéristiques. C'est quoi ça? Alors là, c'est le poste à souder. Et le poste à souder, il me semble qu'il est à 9,99€. Alors non, le poste à souder est à 99,99€. Ouais, ça me faisait pas cher, non, mais c'est 99,99€. Ensuite, là, on a le chargeur de batterie, donc un booster pour voiture avec fonction d'aide au démarrage qui se présente comme ceci. Alors, les caractéristiques. Donc, on a pour les batteries de voiture et de moto 12 volts à 6 volts et capacité de 8 à 25 ampères, je pense. Mode de charge à impulsion pour la relance des batteries vides. Donc c'est pour les motos et les voitures. Donc démarrage direct du moteur en cas de batterie faible sans recharge. Et il est garanti 3 ans. Il est à 44,99€. Ensuite, on a housse protection pour coffre de voiture. Regardez, hop. Ça, c'est pas mal pour passer à l'air son coffre. Et donc, ces housses de protection, elle est à 6,99€. 6,99€. Ensuite, on a... Oups. Alors, ensuite, il y a la... demi-bâche, donc demi-bâche de protection auto, donc elle est utilisable au soleil en été comme en hiver. Alors en taille on a du SM, L ou pour les breaks, et elle a 5,99€. Une lampe de poche baladeuse, lampe de torche baladeuse LED, elle est en 7,99€. Alors elle fonctionne avec des piles. Et moi j'en recherche une qui fonctionne en rechargement. À pied aimanté, pile alcaline, longue durée et mode d'emploi inclus. Donc les premières piles sont incluses.
Là, on a l'antigel pour pare-brise. Donc 500 millilitres. Qui est à 5,99 €. Alors là, on a fini pour l'outillage. Et donc, on va essayer d'aller voir l'électroménager.